ça me passionne, le fait d'aller dans les sous, regarder des artisans vendre leurs objets. Donc c'est quelque chose qui me touche personnellement. Je suis informaticien à la base, j'ai fait une licence en sciences de l'informatique, je fais un master en web intelligence, après j'ai entamé un deuxième master en design management. Pour moi, le premier objectif, c'est de monter ma startup. L'amour de l'artisanat, moi quand j'étais petit, je travaillais avec maman qui était artisane, donc je me suis dit, il faut que je combine l'amour de ce secteur avec les compétences techniques que j'ai réussi à acquérir pour aider les artisans à trouver des nouveaux marchés à l'échelle internationale notamment. On voulait monter un business de e-commerce. On a remarqué qu'en Tunisie, le e-commerce n'est pas vraiment développé comme en France. On s'est dit, tiens, il y a une opportunité là-bas, donc allons-y. L'Union européenne, à travers un programme qui s'appelle Sidoromed, fait le matching entre les startups et les entreprises expérimentées à l'Europe. Ce que m'a apporté très concrètement ce programme, c'est un client potentiel et un partenaire qui peut m'ouvrir sur un marché. Notre projet, il a un très grand potentiel, donc dans 5 ans, on serait leader dans ce domaine-là.